Y'a la même petite lune, nous sommes le 1er décembre, et oui, déjà, nous sommes le 1er décembre, pour dire ça. Donc, on est le premier jour des Vlogmas, tout simplement. Ça tombe un vendredi en plein milieu, mais bon, Noël, je crois que ça tombe un dimanche, un truc. Donc voilà. Normalement, mon meilleur ami est censé me prendre un livre, me choisir un livre, mais bon. Il me l'a pas encore choisi, donc. Et il est déjà 6h, hein, il faut. Voilà. Donc, je vous montre le livre que je lis actuellement. Il s'agit de Équilibre, En équilibre de Morgane Maucombe, que franchement, j'adore. Je pense que ça va faire comme les Magrines, ou ça va faire un coup de cœur de surprise pour cette fin d'année. Et puis voilà. Et j'ai commencé aussi la BD Tout jaune, qui a été écrit et illustré par Elena Kanak. Hélène Kanak, si vous la connaissez pas, c'est celle qui a illustré de Neige et de Loup et de D'Ambre et de Feu, pardon. J'arrivais plus à trouver la deuxième. Donc voilà. Donc je disais, c'est l'histoire d'une exploitation agricole qui marche pas trop bien. Et ça, c'est la petite fille et petit garçon qui aident leur grand-mère qui a cette exploitation en Chine, j'ai mis aussi, je crois. Je suis pas sûre. Mais on s'est couché quand je n'étais pas encore née et depuis, il ne s'est plus levé. Grand-mère dit qu'il déprime au pied de la montagne noire. Il ressemblait à quoi, tu sais, à un rond tout jaune dans le ciel. Dans le ciel. Bref, mais le soleil n'est pas au rendez-vous, donc les récoltes ne sont pas très 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 bonnes. Et voilà. Et puis j'aimerais bien aussi lire aujourd'hui celui-ci, qui est un chant de Noël d'après Charles Dickens. Comme ça, je commence le livre qui démarrera le Cold Winter Challenge, enfin mon Cold Winter Challenge. Donc voilà, après j'en ai quelques-unes, mais je vous réserve à côté. Donc voilà, je suis vraiment trop fan de la détermination de Lara. Elle est juste génialissime. Bon, j'ai pas encore lu beaucoup, mais je l'aime d'amour ce livre. Donc voilà, j'ai pris ma petite pochette de Noël qui a été créée par My Book Collection et que j'ai depuis des années et que j'utilise toujours. C'est la seule en fait que j'ai pour les poches. Donc après les restes que j'avais pris chez elle et ailleurs et que j'ai faites sont vraiment pour les brochets. Donc voilà. Voilà pour ce matin. Là, je vais aller me préparer pour le mal de ce machin. J'ai trop la haine parce que j'avais gardé tout ce qu'il fallait niveau thune sur ma carte pour pouvoir payer mon bus. Et non, en fait, non. La banque a décidé de me foutre un espèce de, vous savez, les frais d'irrégularité et m'a tout squeezé. Comme ça, tout va bien. Je vais pas pas prendre le bus, je pourrais rien prendre, donc heureusement mon papa me ramène et m'amène au moins au boulot, que je rate pas le boulot quand même. Et puis voilà, j'ai trop la haine. Bref, là je vais me préparer, je vais prendre ma douche, blablabla. Et puis bon, je vais pas mettre mon pull de Noël, hein, pas maintenant, hein, je le prendrai pour le jour J. Et par contre, il faut absolument que demain au plus tard, je prenne que je prenne mes que j'aille chercher mon serre-tête de renne. J'ai complètement zappé. Et puis voilà. Je sais même plus où est mon. Normalement, j'ai un bonnet avec des rennes. Mais c'est pour là. Je vous laisse ici pour le moment. Hier, à la boutique, j'ai pas mal bossé parce qu'il fallait vraiment que tout soit nickel pour aujourd'hui, pour la présentation des choses. J'ai tout changé parce que franchement, les coffrets où je les avais mis, je vous renvoie à mon Insta, je crois que j'ai encore une story, je la remettrai. Ça marchait pas. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. L'année dernière, ça avait marché du tonnerre. J'avais plus de coffrets, cela dit. Mais cette année, pas du tout. Je suis dégoûtée, donc je les ai déplacés. Je les ai mis sur une grande tête de gondole. C'était parfait. Et là où j'avais mis les coffrets, et ben,
Je vous ferai des inserts. Mais j'ai mis tous les petits coffrets possibles et imaginables pour mettre tout en avant. Et puis, on verra peut-être comment ça se goupille. Mais je pense que ça ira, là. Ça ira parce que... Là, j'étais vraiment dégoûtée, franchement, parce que l'année dernière, j'ai vendu... Ouais, j'avais dû vendre 4, voire 5 coffrets avant décembre, en fait. Et cette année, autant vous dire que ça n'a pas décollé. Mais pas décollé du tout. Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis vraiment dégoûtée. Et j'espère que ça va, là où je les ai mis, ça va marcher et le fou. Parce qu'il faut que ça marche. En fait, il faut vraiment que ça marche. Il faut que les ventes montent. Parce que je suis sûre que l'année dernière, j'ai fait beaucoup plus que cette année. Et voilà. Bref. C'est pas grave. Il y a eu un relâché. Et il va falloir régler ça. Désolé. Régler ça ce mois-ci. Et pas des moindres. Donc, voilà. Je dois tout remettre en place, tout remettre en avant, donc on va y aller comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Je vous laisse là pour le moment. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez un bon mois et un bon mood. Moi, j'espère que je vais réussir à faire les vlogs masse. Tous les jours, sans être fatigué, sans être machin. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Je vous laisse là pour le moment. Et puis je vous reviens dans la journée sûrement. Je vous fais des petits inserts, des petits partages, tout ça. Voilà. Et puis je vous reviens pour vous parler de ce livre-là. Donc voilà. Tchuss. Ne faites pas gaffe, je viens de me laver les cheveux, donc c'est toujours une galère quand je l'ai là, mais je peux. Mon meilleur ami est venu et elle m'a choisi mon livre, le livre du jour, qui est Cormac McCarthy, La Route, donc je dois lire ça aujourd'hui. Et ça, c'est mon fil rouge, c'est le livre que je dois lire. Sur le mois, il s'agit de Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, le tome 2. Oui, j'adore Le Seigneur des Anneaux, mais je n'ai jamais lu les livres, sauf le premier en 2018. Donc voilà, il m'a mis le deuxième tome. Et celui que je vous avais présenté là, Équilibre, et que j'ai rangé là-dedans, c'est le livre de la semaine, tout simplement. Donc j'ai les trois livres bien costauds à lire, et puis voilà. Au niveau de la tenue, faites pas gaffe au bordel, je vais essayer de vous prendre là. Je me suis mis avec ma robe, mon sweat littérature avec une ceinture pour le faire tenir parce que il est trop long, donc autant vous dire que ça cacherait toute la robe sinon. Et puis voilà, je vous laisse ici pour le moment et je vous reviens dès que possible. Tchuss. Nous sommes tout simplement le soir. Je suis complètement malade, je suis épuisée. Mais pourtant, j'ai dormi ce midi et j'avais commencé ça, mais je me suis endormie dessus. Donc, autant vous dire que je ne l'ai pas fini, loin de là. Donc, je vous reviens parce que quand même, j'ai le calendrier de l'Avent de Sophie Jomain à ouvrir. Et je vais lire le premier truc. Et j'ai aussi celui de mon fils, celui de la magie de Noël. De
Mathilde de Paris et Marine Gossin. Oh là. Publié chez Ozu les deux. Je suis trop trop contente d'avoir ce livre de Sophie Germain. Je sais que beaucoup ont un peu le somme de ne pas l'avoir. Franchement, je suis très heureuse de faire partie de ceux qui l'ont, tout simplement. Donc, je vais commencer ceci et puis je vous reviens dès que je l'ai terminé. Enfin, dès que j'ai terminé le premier chapitre. Oula, la coiffure se passe, hein. Bref. Je viens de terminer tout d'abord le premier chapitre de Un cœur pour Noël de Sophie Germain. Franchement, je l'adore, ça commence très bien. Puis en plus, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi j'habite en Haute-Savoie, donc ça se passe là-bas. Voilà, c'est pas. J'ai pas de difficulté à m'imaginer vraiment dedans à fond. Et franchement, j'adore. C'est le début est plutôt pas mal. C'est vraiment une mise en place des choses. J'aime énormément. Comment ça s'appelle ? Avril, sincèrement, elle est vraie, fraîche, spontanée et à la fois rêveuse et à la fois donc, franchement parfait. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite dès demain. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir. Je suis trop trop contente de l'avoir. Ensuite, j'ai continué avec le calendrier de mon fils qui lira lui après, mais il est beaucoup plus court. C'est plutôt pas mal en fait, c'est l'histoire de d'un petit village qui s'appelle Jutland Mock, qui normalement a des traditions, il neige et tout ça, et là, cette fois-ci, il n'y a pas de neige. Donc les enfants sont inquiets, ils se passent des trucs bizarres et tout ça, donc voilà. Mais c'est court les chapitres, donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose, mais c'est plutôt pas mal pour un début aussi. Bon, moi je vais prendre celui-ci, je vais aller à fond dedans et puis je vous reviens dès que possible. Heureux, mais peut-être lune, il est minuit, j'ai dormi comme une masse. Franchement, le livre que je voulais. Voilà. Ce livre-là que mon meilleur ami m'a choisi, j'arrive pas à rentrer dedans, sincèrement. Je m'endors à chaque fois que je lis le livre, que j'essaye de me plonger dedans. C'est lent, c'est machin, je crois que je suis pas du tout dans le mood. C'est un livre que je veux absolument lire, donc je le lirai quoi qu'il arrive un jour. Mais je suis pas dans le mood. Sincèrement, je suis pas dans le mood. Je serais beaucoup plus dans le mood en continuant à lire en équilibre. Mais voilà. Je suis pas du tout dans le mood pour la route. Donc je l'ai laissé, je l'ai enlevé, je l'ai laissé complètement de côté. J'ai par contre fini de lire Tout jaune de Eina Helen Kanak, qui est la dessinatrice de D'ambre et de feu et de neige et de loup. Et là, ça parle vraiment d'écologie. On va suivre, en fait, comme je vous ai dit, une petite fille et un petit garçon qui aident leur grand-mère sur la colline parce qu'elle est agricultrice de tournesol. Mais ça fait très longtemps que le soleil n'existe plus, que tout ça. Donc, les tournesols meurent, on va dire. Et ils savent que le soleil est, je dirais, en bas d'une montagne noire, mais ils savent pas ce que c'est cette montagne noire. Ils vont finir par partir à la recherche de ce soleil parce que ils en ont réellement besoin. Et se rendent compte que cette montagne noire, c'est pas du tout ce qu'ils pensaient, et que le soleil est toujours là, et que c'est compréhensible que le soleil ne veuille plus se lever. Donc voilà, je me suis dit cette petite BD qui est absolument magnifique et qu'on retrouve vraiment le côté, le dessin de l'illustratrice. Si vous avez lu D'ambre et de
et de feu et neige et de neige et de loup. Vous savez de quoi je parle, mais je suis super contente de l'avoir eu entre les mains que j'ai emprunté. Et ensuite, pour le... j'allais dire pas une petite note challenge, n'importe quoi. Le Cold Winter Challenge, j'avais mis ceci en premier, en tout premier, puisque c'était le titre de la première catégorie, un chant de Noël en version BD d'après le livre de Charles Dickens, et c'est écrit par l'Hermonnier et je dirais. Ouais, je pense que ça. Je pense que c'est illustré par Labourreau, je pense. Donc voilà. Et j'ai adoré sincèrement cette histoire. Ce qui, je vais pas vous spoiler parce que je pense que c'est super connu. Donc je préfère vous laisser découvrir. Mais c'est rempli d'espoir, je dirais de passer assez dur et je vous le conseille vraiment beaucoup. Je pense que le roman doit être aussi génial. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je vais terminer ce vlog ici parce que il est déjà minuit passé. Je suis censée l'avoir déjà posté, mais bon, je suis endormie comme une noix. Ensuite, j'ai regardé la Star Academy et en mangeant. Donc voilà. Si j'ai encore un peu plus fort, je pouvais continuer le livre en équilibre. Et puis voilà. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous plaira. Et je vous reviens quoi qu'il arrive demain. Et j'espère demain soir avant minuit. Bye.